Bonsoir à tous et à tous, c'est Fabien, j'espère que vous êtes tous bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WWE.com pour rechercher nos récompenses anti-Monogram. Vous pouvez gagner facilement 11 924-0. Bah, c'est une équipe élite plus, je pense. Ouais, je vais avoir un prix, on ira voir ça. Ouais, on va commencer juste en mais avant, on va y en. Qui ça va, je viens de voir. Je vais quand même mettre une énergie dans mes cartes. C'est parti. Hop. Voilà, c'est parti. Oh, hop. On espère avoir une pro, même si ça m'étonnerait. Largement. Allez, c'est parti, Zing. Récompense pour le champion. En 1920-0. C'est parti. Allez, des pros. Oh, Jimmy Uso. Ah, super. C'est pas une pro. Mais bon, ça fait ça encore une carte à entraîner en plus. C'est déjà pas mal. Jimmy Uso. Kevin Owens. Oh, j'avais pas. Oh Nexon plus qui passe pro. Yes. Thank you. Damien Spokan. Thank you. Yes. Avec ce plus qui passe pro, les amis. Yes. Je suis trop content. Allez hop, après Bikinich, c'est avec sa pisse. Yeah. Oh yes, je suis trop content. Une pro. Oh yes. Oh yeah. Yes. 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 Oh my god, les amis. Avec sa pisse. Yes. En plus, c'est la meilleure carte. Hein. C'est la meilleure carte. Oh my god, Alexa Bliss. Je suis trop content. Elle passe pro, les amis. Elle passe pro. World TBJ. Jimmy Uso. Monster. No pro. Kevin Owens. Ici, c'est No Pro. Avec ses vis. It's a pro. Oh, ils sont rien dit. Alexa, please. Bestial. Pro. Et tout d'abord, il faut que je fasse tous les matchs, hein, bien entendu. Et en réseau, tout est en réseau. Oh, c'est pas possible. Ouais. Avec sa bise. Spécial. It's. It's a pro. Ok. Bref. Oh my god, les amis. Yes, avec ça. Yes, encore forcément de deck. C'est énorme avec mon problème. Ils sont monstrueux. Pro. C'est énorme. Yes, les amis. Jimmy Uso. Bon, faudrait déjà dire que j'aime bien mon Jimmy Uso. Pour commencer, après, il faut que j'aime bien mon X-Abyss. Bon, bah, son. Pfff, attends. Hop, j'ai plus simple. Ça sera déjà mieux. Alors, hop. Hop, voir. Modifier le deck.
c'est bon. Et voilà aussi Magic Deck, parce que faut que j'ai mis des cartes qui servent à rien. Magic Deck, Wide, ici, voilà, c'est bon. Hop. Ah non, je vais dans mes cartes. Alors maintenant on va améliorer les cartes qu'il faut. Sinkala monstrueux. Chimiusso. Attendons, ils ont mis un signe. S'il te plaît, arrête. Forcément. Ok, et avec sa bise, un unlock. Voilà, c'est bon. Donc, avec sa bise, on améliore pour commencer. Voilà. Bon, mieux retirer tout ça. Hop, c'est parti. 46 niveaux, c'est pas si mal que ça. C'est bon, on enlève tout ça aussi. Ça s'est fait. Yes, avec sa pisse qui passe pro, les amis. Elle passe pro. Yes. Bah voilà, que ça sera un peu combattu avec. Ah non. Ah non. Non, 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 parce qu'il va y avoir avec Bikinch. Bon, ils ne seront pas compatibles, mais bon, c'est dommage. Hein. Dommage qu'il ne sera pas compatible avec Bikinch, mais bon. Il me fait une carte, je me fais une carte en pro en plus. Une carte bestiale à pro en plus, donc, qui fera bien évoluer mon deck. Très très bien. Non, c'est parfait ça, les amis. C'est excellent. Une pro. Bon, c'est pas si mal que ça. Hein. Bon, il ferait 2 pros, voire 3, mais bon, une brosse, c'est pas mal. Alexa Bliss, yes! Elle passe pro, les amis, elle passe pro. Alors maintenant, on va enlever le loup gallows qui ne sert à rien. Bye, loup gallows. Bon, le ventrier aussi, mais bon, pour une possible pro. Bon, il n'y a pas de pro, malheureusement. Donc, voilà. Attends, les autres échelons. Enlève-toi, attends, les autres. Enlève-toi, s'il te plaît. Pause. Oh, c'est bon, on est parti. On va pouvoir améliorer Jimmy Uso. Monstrueux. Bonne carte. Ah, ça fait longtemps que j'ai plus joué avec Uso. Très très longtemps. Donc ça on enlève et toi on t'enlève parce que t'as des jambes. Ouais c'est bon. Ouh ça, ouh ça. Laissez-nous, oh, ouh ça. Alors tac. Hop. Voilà, c'est bon. Bon, il est très très bon set. Hein. Ah bah notre clignage. Ouais. Ouais, c'est comme ça. Ça va, je pense. Et du morceau qui dépasse Rowan, Tamina, Zack Ryder, Eden Lish et voilà, après bah voilà. Sinkala. Oh mon dieu, avec sa bise, yes! Oh my god, Bikinch, et après hop, avec sa bise. Oh. Ah, il va falloir que j'entraîne maintenant. Alors, je vais être qui là? Entraîne, je vais être Jimmy Uso. D'ailleurs, mon Kevin Owens a changé son image, je vais être celle de la SummerSlam 17. Kevin Owens. Alors, Kevin Owens. Qui est le meilleur cœur de mon deck actuellement?
Non, enfin, qui est actuellement la meilleure carte en monstrueux de mon deck. Voilà, c'est mon 5-17. Toujours attendu à ce qui m'énerve. Bon, je pense que j'entraînerai ma Xebi demain. Ouais, passe bien sur cette photo de Kevin Owens. Voilà, mon club, mon exhibit me finit pro, c'est incroyable. Yes! Avec ce bis spécial pro, ils vont passer mon Tamina, Nia Jax, tout simplement. Alors, d'abord, on va modifier le deck, on va enlever Peking. On va passer par Bestiaine. Alexa Bliss. Et ensuite, on va remplacer Nia Jax. Par mon autre Alexa Bliss qui va passer pour yeah, je suis trop content. Oui, ça fait deux, ça va faire deux bestiales, ouais, comment dire, deux bestiales pro féminines maintenant. Bon, toi le gallows on t'enlève, on va mettre les monstrueux, mettre Sin Cara avec Jimmy Uso. Hop. Et en plus, j'ai entraîné Roman Reigns, Jimmy Uso, Sin Cara. En plus, encore est-il, monsieur bien. Et deux ex-abysses. Et mon autre ex-abysses. Et l'autre ex-abysses qui va passer pro. Un autre, un ex-abysses. Comment dire, un ex-abysses. Qui va être Roderick Strong, ma freebie. Et l'autre va mettre. Alexander Wolf. Ouais, tout ça. Ouais, bon, ben, on va faire des matchs, c'est parti. Bon, on a 3 accès. Autant le faire. Autant profiter, hein, tant qu'on a 3 accès. Autant profiter. On se rend plus des vidéos. Comme ça, donc. Donc là, je suis déjà la bestiale en RTG. J'ai même pas 10 ou 15 sur 200 sur All True. Je vais chez Sin Cara tout à l'heure. Bon, c'est pas la meilleure carte malheureusement. Mais bon, il faut en profiter. Faut en profiter, les amis. Il faut en profiter. Voilà, c'est bon. Hop. Voilà, c'est parti. On va entrer notre Alexa Bliss. Ici, notre Jimmy Uso et Sin Cara. Après, on entraînera l'autre Roman Reigns. Ah, qu'est-ce que c'est, le plaisir de rejouer avec Jimmy Uso. Ah, ça faisait très très longtemps que j'avais pas Jimmy Uso. Très très longtemps. Jouer avec celui-là, bah, il va sans tactique. Contre Lorian, parfait. Ouais, Aixabi, c'est la meilleure carte féminine en bestiale. Meilleure carte féminine en bestiale. Et en monstrueux. Et en titanesque. La best. La best de la best. Ouais, franchement, là, j'ai quasiment passé monstrueux. Plus grâce à Roman Reigns. Après, ben. Oh, j'ai encore. On va combien progresser avec mon Alexibis ce BCL Pro. C'est ouf. C'est énorme. Ouf. Mais bon, il faut que je fasse tous ces matchs. Mais bon, faire ces matchs, c'est très si long, c'est long, c'est long. Mais bon. Tant que. C'est long, c'est long. Mais après, bah, quand c'est fini, bah, on est content. On le pro. Et franchement, waouh. Alexibis, elle va faire très très mal. Alexibis BCL Pro va faire très très mal, les amis. Alors, tag vitesse, on va être sur celui-là. Hop, on gagne, parfait. Alors, tac. Ouh, je gagne, heureusement. Merci Sincala et Jusso.
Aucun être qui tient être les Sunwolf, on gagne. Peut-être Valley Driver, c'est parfait. De l'énergie qui se mise en pensant que je suis deuxième, donc là la ligue est très très serrée, ça va être très très chaud de tenir dans les 5 premiers, d'autant que ben parce que si du coup chez moi tu te réveilles, ben demain genre là, ce soir, par exemple, enfin, moi je suis deuxième, imagine que demain tu te lèves, c'est quasiment septième ou huitième. Là c'est très, très 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 sérieux, les amis. Il est 23h24. 5, on va mettre Sincara. Pour l'entraîner un peu, bon, malheureusement, il perd contre Xavier Woods. Mais bon, ça va, je suis content d'avoir Jimmy Uso. Bonne carte. Bon, malheureusement, il va pas Harper. On va mettre Roderick Strong. Il bat Diablo, c'est pas mal. Et bon. Elle est sur la victoire, malheureusement, bon, de défaite de 1. Alors, tech. Au deuxième match. Est-ce qu'on a gagné dans le match? Oui, on gagne. On gagne le 3-2, c'est parfait. Bon, faut que j'oublie de mettre une énergie dans ma carte. Sauf quand j'oublie parce que là, les couches, là, ça serait dur en fait. Là, c'est très difficile de gagner contre des cartes qui n'ont pas de très bon set, malgré que tu n'aies pas le temps de mettre l'énergie et de mettre de l'énergie, tout simplement, de vigueur pour qu'il soit totalement max. Mais bon, il peut rien. Alors, ça fait notre PC à la pro, ce qui va augmenter une nouvelle fois mon deck en RTG. Et en plus, avec mon Roman Reigns monstrueux pro. Donc voilà, j'ai encore un entraînement à faire. Non, être Orton et Kane. Bon, malheureusement, je vais pas montrer. Bon, malheureusement, je vais pas. Enfin, pas. Monter mon deck en RT parce qu'il me faut une monstrueuse pro masculin de plus après Roman Reigns pour que je passe titanesque en. Ring sans pour chercher la prochaine carte event. Et pour le moment, c'est toujours pas, on est toujours pas, on est toujours monstrueux plus. Donc ouais, je peux toujours pas chercher la carte event. Bon, peut-être pour les prochains jours, si je pioche une monstrueuse, l'autre monstrueux que j'ai, bon, j'en ai pas mal, hein. Mais bon. Il faut attendre, il faut patienter, hein. Ouais, tout simplement, hop, on dit Enzo Amore. Ensuite, on va mettre Rohan, qui est parfait. Ensuite, Big Show et ouais, Shawn Michaels. On gagne parfait, facilement. De toute façon, on n'a aucune difficulté à gagner jusqu'à la titanesque, ça va être difficile. Mais bon. On va tenter les deux titanesques. Luke Gallows et Paige. Bon, Tamina, elle ne sera pas.
Pour le moment, ma terminale elle sera éjectée du RTG parce que il n'est pas assez fort pour battre Carmilla et Nia Jax. Donc Nia Jax et moi Carmilla ils seront toujours là en RTG. Donc du fondu avec Alexa Bliss et Becky Lynch spécial pro. Tout simplement. Hop, on en refait une, c'est parti. Donc on a encore des accès, ça me va. En tout cas, je suis content d'avoir eu avec Sebi son bestial qui me fait une pro. Bon, Becky, je sais, j'avais eu en bestial en TBG. Oula, c'est mon équipe. Alors, le Gallows Monster Pro. Kurt Angle The Free. Initial Monster Pro. BCC Pro. Maragoban. Cesaro Beast Pro. Sheamus CC Pro et Kendane. Ah, hein, j'ai cru qu'il y avait. J'ai cru qu'il y avait. Il y avait une. Une bestiale. Une Monster Pro. Il pense à. C'est un peu chaud. Donc Cesaro Beast Pro, bah ça va faire bien augmenter son deck. Je vais essayer de pro aussi peut-être. Ouais, peut-être aussi. Kindane, monstrueux, bon ça va. C'est pas le meilleur mais bon, c'est déjà une. Moi si va, j'ai eu Jimmy Uso monstrueux, bon, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Et si tu es dans la moyenne, juste au milieu du classement. Il garde des cartes qui ont des stats. Ok, 23h30. Allez, on est reparti. On va refaire un match. Podes, Kane. Hop, Nijax, David Woods, ok, on va mettre Iotemi et Pikachu. Ouh, il avait Shizuke Nakamura en titané, c'est pas mal ça. Bonne carte. Bonne carte. Donc enfin, je suis dans un pack avec ses cris. Mon dieu. Moi je ferais jamais ça. En 2018, je ne paierai jamais sur ce pack hein, pour avoir des crédits pour m'acheter un pack. Jamais je paierai. Jamais. Je ne ferai jamais ça. Ça, je peux vous le dire. C'est vraiment, je peux vous le dire. Je n'achèterai aucun pack tant que je n'ai pas assez de crédits. Non, mais les crédits, je les dépense plus pour les events, pour avoir des doubleurs de pioche et des matchs pour le titre. Pour m'aider un peu progresser. À 12-0, c'est parfait, on gagne facilement. Donc, au niveau du supercar concernant les pugs, des PVP, des ceux qui n'ont pas de ligue, qui sont restés coincés dans leur ligue, tout simplement. Ils sont en train de régler le problème. Donc, ne vous inquiétez pas, ne réagissez pas trop. Moi, je vois avec bon, je reçois.
Ok, c'est 3 sutras, pas intéressant. Moi, je reçois comme il convient, en fait. Je reçois comme il faut. Bon mot. Donc, vous pliez pas, arrêtez de vous plaindre, ça sert à rien de se plaindre. C'est pas avec vos plaintes qu'ils vont avancer, hein. Donc, il faut que vous restiez calme, il faut que vous continuez dans le jeu, en fait. Même si ça bug, c'est pas si grave que c'est, ils vont les régler le plus rapidement possible. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, je suis sûr qu'ils vont me faire une nouvelle maintenance pour régler tout ça. Après, ben voilà, ils vont peut-être me donner des crédits. On ne sait pas, on verra. Des crédits pour avoir attendu la maintenance. Donc, on verra ce que ça donnera. Et pour la prochaine mise à jour, ce sera la semaine prochaine. Bah, la semaine prochaine mise à jour, je pense. Genre mercredi ou jeudi. Non, pas jeudi. Ouais, peut-être. On ne sait pas, on verra. Dommage. Tiens, on ne t'aime pas. On va être ces deux-là. Ok, je gagne parfait. Hop, avec sa bis. Hop. Hop, ah, il veut entrer ma ligue. Ça, j'ai oublié. En classement. Alors, le premier, il y a combien de points? Le premier, il a 4106 points. Moi, j'ai 3940 points. Le troisième, il a 3170 points. 3180, 3054. Donc, c'est très très serré, les amis. Faut que je fasse gaffe. Donc, ouais, les autres sont pas encore avancés. Non, pour le moment, je suis qualifié. Pour le premier jour, je suis qualifié. Mais après, bah, on verra. Hein. On verra ce que ça donnera pour les prochains jours. Ah, bah, tiens, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre mon Exabis. Je pense que je vais entrer en Exabis en RTG jusqu'à. Ouais, je pense que je vais entrer en Exabis. Parce que. Non, je suis entraîné en mode sauvage, ce serait mieux, je pense. Je pense que je vais entraîner en mode sauvage. Et en mode war, si j'ai temps. Ouais, je pense que je vais entraîner en mode sauvage. Ça va se faire des matchs en plus. Shawn Michaels. Il y a bon switching music, s'il te plaît. Non, pas de switching music, dommage. Bon, il bat Roman Reigns. C'est le principal. Ok, Carmella. J'aimerais bien l'avoir en pro. Il y a aussi Nia Jax aussi. Carmella et Tamina. Et Carmella et Nia Jax sont pro. Comme ça, ils seront. Ils seront compatibles avec Becky Lynch et avec Sabis. Hop, Neville. Red Room. Tac. Et Stone Cold, ouais, parfait. Une summary. Voilà. Hop, Randy Orton et Jeff Hardy. Pour l'instant, je gère. C'est parfait. Un dernier manche. Picking Inch.
Hop, non, Tammy Xavier Woods. Gagne. Big Show. Et voilà. On est déjà 60, il va y en avoir en dessous. Que je n'ai pas. À moins que je pioche. À moins que je pioche et ça finit trop, mais non. Ok, il y a encore un Kaiser Stamina qui pop. Oui, soudain j'ai pioché une amélioration, une puissance bestiale. Bon. J'ai mis sur mon Lucalose monstrueux pro. Voilà, comme ça, bah, ça fait augmenter un petit peu ses stats. Alors, hop. Ah bah on a le temps de faire encore un petit match en mode noir, il va sortir 40 secondes. 40 secondes, parfait ça. Alors tac, donc là je vais bientôt placer niveau 4 du palier. Donc récompense, je suis à combien? Récompense. Je suis à 147, pas si mal que ça. Bon mais bon là ça fait. C'est pas beaucoup de temps qu'on. T'as beaucoup de PC qu'on gagne. Lorsqu'on gagne un match, j'ai 3-4 PC. Et 10 secondes. En je suis toujours deuxième de ma ligue. Pour le premier jour. Donc la ligue se termine en 4h19 jours. Quatre jours 19h, simplement. On a plus de matchs, on s'arrêtera pour cette vidéo. Ce sera la 110e vidéo, je pense. Ouais, 106e vidéo sur W Sport Canada 104. Voilà. Merci W Sport 4 pour la récompense, ça me fait vraiment plaisir. Deuxième spécial pro féminin, après Becky Lynch. C'est tout doute avec ses se passer en pro, mais il faut que je fasse tous ces matchs. Tous ces matchs. En puissance, en robustesse, en vitesse et en charisme. Pour que tout soit au max, pour qu'elle passe pro. S'il n'est pas tout au max, je ne le fais pas pro. Parfait. Voilà, on fait les quatre dernières pioches. Énergie, hop. Tirage spécial, hop. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo sur WWE Sport Card. Voilà, pour la raison de mon stratégie. Et cette vidéo-là vous aura pu se permettre un maximum de pouces bleus et de commentaires et de vous abonner à ma chaîne YouTube de partager les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée, une très bonne soirée plutôt. Et à la prochaine. Et voilà, avec sa bise. Donc on va mettre quelle photo. On va mettre la photo de celui-là, une plus bien sûr. Voilà, c'est parfait comme ça. Donc voilà, cette vidéo vous aura plu, de mettre un maximum de pouces bleus et de commentaires et vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On est bientôt 200 sur ma chaîne, hein, il ne reste plus que 15 abonnés, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et à la prochaine. Un très bonne soirée et à la prochaine.